répondre à la question « Comment l'ours fait-il pour vivre dans une région si froide ?», les enfants ont d'abord émis des hypothèses et ont retenu « parce qu'il a de la graisse » comme hypothèse à tester. Nous avons donc fait une expérience pour savoir quel rôle jouait la graisse pour l'ours. Le protocole m'avait été transmis par notre marraine, mais j'ai essayé de laisser les enfants concevoir eux-mêmes l'expérience en les faisant s'interroger sur la pertinence de certaines idées. Une fois que les enfants se sont mis d'accord, nous avons écrit le protocole dans nos cahiers de chercheurs, réalisé des schémas, puis testé l'expérience. Nous avons cherché à comparer deux situations quasiment identiques, à la différence près, qu'un des gants contenait de la graisse et l'autre non, notre variable expérimentale. Puis, chacun d'entre nous a plongé ses deux bras dans l'eau glacée. L'observation s'est tout d'abord faite oralement, par mise en commun des trois sensations ressenties par les enfants, au moment où ils ont plongé leurs bras dans l'eau. Plus froid, moins froid, aussi froid dans le gant rempli de graisse par rapport au gant sans graisse. Puis, nous avons dénombré quantitativement chacune des sensations. La majorité des enfants ressentait moins le froid dans le gant qui contenait de la graisse. Nous en avons donc conclu que notre hypothèse de départ était valide. La graisse de l'ours le protège du froid.